Magique. PNL dans les oreilles. Qui a la ref là? Inox. Regarde, on est avec Polo. On monte au Porfuge de Tétrousse. Hop, 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 hop. Je te coupe juste 10 secondes pour t'expliquer qu'en fait, c'est la première fois que je faisais ça. Et du coup, bah, j'ai eu un peu de mal à filmer. J'espère que tu seras un peu indulgent. J'espère que tu me comprends. C'est la première fois que je fais ça. Du coup, bah, c'est pas parfait. J'espère que ça te plaira quand même. Bisous. Bonne vidéo. Il est 11h, ouais, on est à 1007. Il doit nous rester peut-être 1005, 1004 de dénivelé positif pour arriver à Tétrousse. On a fait, en 20 minutes, on a fait 300 mètres de dénivelé. On a bombardé comme des singes. Moi, je suis en sueur là, je sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment plaisant, tu vois, c'est apaisant, il n'y a pas de bruit. Moi, tu vois, j'ai souvent l'habitude de mettre de la musique quand je vais marcher. Mais c'est là que je me dis qu'en fait, t'as tellement pas besoin d'écouter le son de la nature. En vrai, c'est tellement ce qu'il y a de plus pur. Moi, c'était mon objectif cette année de faire le Mont Blanc. Je me suis pas assez préparé. Et puis logistiquement parlant, c'était trop dur. Parce que j'ai pas eu beaucoup d'aide venant des autres pour justement y faire. Et du coup, bah, j'ai pas réussi à le planifier. Je vais m'y prendre un peu plus à l'avance pour le faire l'année prochaine si possible. Là, à défaut de pas faire le Mont Blanc, on est sur le sentier. Et puis c'est déjà un beau petit symbole. Genre à la place de rester une journée. Putain, je fais tomber les bâtons. Une journée tout seul chez toi. Devant la télé, devant machin, ce que j'ai fait hein, et ce que je fais toujours. Autant quand il fait beau ou même quand il fait un peu nuageux comme ça, partir en montagne, c'est pas accessible pour tous. Pas tout le monde a la chance de faire ça. Mais si vous l'avez, saisissez-la les gars. On a un point super stylé. C'est-à-dire que ici, là ce que vous voyez en bas, c'est le glacier de fonte. Enfin, c'est l'eau de fonte de glacier, du glacier de Bionacet. Et là après, je pense qu'on va bientôt arriver aux échelles. Il y a des échelles? Ouais, parce que c'est un peu raide. Mais c'est pas forcément dangereux, puis comme on a le pied montagnard, tu vois. C'est bon, y a pas de soucis. C'est bon, pas de problème. Merci. Non bah ça y est, je commence à courir. Les petits escaliers. Donc là on est royal en fait. Ouais. Royal, royal. Comment? Fais gaffe, t'as pas glissé quand même. Ouais, ouais. On dirait vraiment là, on est je sais pas où en Inde, Cordillère des Andes. Mais vraiment. Hein. Pas encore dire des Andes, pas en Alpes, enfin pas en Inde, mais voilà. Ouais. C'est stylé de fou. Ouais. Putain, j'ai mis le pied dans l'eau. Ah ouais, elle est pas chaude. Ouais. Oh la vache. Rincer un peu le visage. Qu'est-ce que c'est joli. C'est grand hein. Ouais là c'est immense. Je me rends pas compte mais là la falaise elle fait pas mal hein. Ouais bah oui moi je la saute pas celle-là ski. Bah moi non plus hein. Aucune fois peut-être. Qu'une fois ouais. Et là c'est le glacier aussi en fait là. Ouais. C'est juste il y a les cailloux. Cailloux, putain ok. Moi j'ai jamais vu aussi grand, aussi. C'est pour ça que je t'amène ici mec. Gros regarde, la fumée. Pour te motiver, pour te montrer un peu ce que c'est déjà, tu vois. La brume avec la végétation là, c'est vraiment joli. On dirait un peu le Hobbit. Ouais, un peu, mec. On dirait un peu Frodon, là. Regardez-le, là-bas. C'est magnifique, hein. Lui, il est vraiment beau. Hein. Les gars, tant que j'y pense, tant qu'on est au soleil et tout machin, je voulais vous demander, si vous ne l'étiez pas, si vous n'êtes pas abonné, les gars, vous pouvez vous abonner, s'il vous plaît. Beaucoup, on a beaucoup besoin de force. Et c'est aussi comme ça qu'on l'acquiert. Donc, merci beaucoup à ceux qui le feront. C'est toujours un kiff de vous partager ces choses-là. Ça faisait longtemps que je m'étais absenté, parce que je voulais prendre un peu de vacances et préparer la rentrée comme il se doit. J'espère que vous comprenez. En tout cas, sachez que c'est que le début de l'aventure. Bisous. Les gars, on arrive au Nidec, vous voyez le refuge juste là. Je commence à subir un peu en vrai, mais on va faire une petite pause histoire de se remettre les jambes en place et boire un coup, s'hydrater, manger un petit bout. C'est beau. C'est magnifique, j'ai jamais fait ça en tout cas moi. Vous montez? Ouais. On va à Tétrousse, ouais. Et après on descend. Le de Bionacet là. On a mis 1h30. Allez, solide. 1100 mètres de dénivelé en 1h30. Bah franchement. Ah, putain, on a fait 1100 là. Je pense qu'on est pas des guignols hein. Non, non. Et là il nous reste tout ça à faire. Et depuis le début? Ouais, je suis gros, on a fait les deux tiers. Hein. Ouais, ouais. Ah les gars, je suis content. Mmh. Oh putain, gros. Et là, tu vois la fin. Mmh. On va arriver de là. Oh là, gros, là, gros, je te jure, c'est trop bon. Et là, il y a le glacier en blanc qu'on va traverser. Mmh. Qu'est-ce que c'est bon. Mmh. Oh, le réconfort de fou. Mmh. Si on a fait 1100, il nous reste 700. Les gars, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo, ça vous plaît. C'est important qu'on sache. Ouais. Enfin, qu'il sache, surtout. Ouais. En fait, c'est un peu mon manager, Paul.
Non. Regardez ça. On est au-dessus des nuages. Quelle beauté. Et là-bas, je sais pas si vous voyez très bien où je pointe. C'est la pointe percée. J'ai fait l'année dernière. Et là, hop, on monte tout là-haut. Et c'est le goûter. Refuge du goûter. C'est incroyable, bro. Je suis tellement reconnaissant. Ça fait plaisir. Mais gros, c'est tellement calme. C'est ça dont j'avais besoin. C'est vraiment partir une petite journée au calme. Décompresser. Exact. Et là, on arrive dans les névés. Et on doit être à 2008 à peu près. Ça fait une petite heure qu'on est parti du refuge du Nidec. L'arrête de fou là. On se rendra jamais compte à l'image, la taille du bordel, mais je suis assez impressionné, c'est grand quand même. C'est magnifique. Je trouve ça trop beau. Et puis du coup, là j'en chie depuis tout à l'heure, depuis tout en bas là. Là c'est pour moi le plus dur. Parce qu'en plus les rochers et tout, j'aime pas tellement ça, moi je préfère marcher sur l'herbe. Mais on va y arriver, on fait une petite pause et puis on repart. Et là vous êtes sur la GoPro. Vous êtes sur ma tête là. Et là, vous voyez le refuge là-bas. Et là, on s'apprête à justement y aller, passer le glacier à pied. Qu'est-ce que c'est beau, putain de merde. Regardez ça. Non, mais je te jure, la chance, elle est... T'as comme ça chauffe tout de suite beaucoup plus sur le glacier. T'as vu? Genre la chaleur, elle a tout là-haut, c'est le goûter, les gars. C'est pas le goûter, c'est pas l'heure du goûter, c'est le refuge du goûter. Oh la vache! Oh putain comme c'est froid! Ah ouais! C'était pas de l'eau froide, c'était de l'eau froide! Tu me vends du rêve là? Nous y est! Tes trousses! Eh ben, je suis fier! Putain la vue de con! Non, 3100! Ah. Vas-y, bon, des équipes là, toi, moi. Vas-y. Si je me trompe pas, le buet là-bas, c'est le cheval blanc. Ouais, je pense. Puis après, les autres, on y va pas tellement, mais. Oh. Chiche. Et quand on rentre dans le refuge, on est obligé de se mettre en crocs. Oh ouais, je suis sous le choc, je trouve. C'est royal, hein. Et là, la chance de l'avoir fait. Et là, il y a des bacs poubelles. Oh. Côté de la plage. Et là, si tu descends, en fait, t'as la gaz, groupe électrogène, réserve d'eau. C'est incroyable, hein. Et nous, là, on vient de tout en bas, là-bas. Là où il y a les nuages. Ça fait pas tellement chaud en fait ici. Objectif, on repart à 15h. Ou quelle heure? 15h30? Ouais. Ça fait 18h30. Sauf si tu veux te reposer plus ou moins, tu me dis. Ah ouais, on fait 18h30 et puis on bouffe un truc dans la vallée ou quoi? Mais vas-y. Si t'es chaud. Oh. Je vais mettre un petit message. Les gars, on est reparti du refuge. 15h20. C'est parti, on attaque la descente. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on va le refaire dans l'autre sens. On dit au revoir. Ça va pas les équipes ou pas? Je suis trop reconnaissant, tu faudra les remercier encore. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. C'était un peu plus chill que d'habitude, c'était différent, c'était un autre concept. Tu me diras en commentaire si t'as kiffé et si tu en veux d'autres qui seront un peu mieux filmés. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'était la première fois que je faisais ça. J'étais pas très à l'aise. Je t'avais plein de gros bisous, je te dis à plus. It's lit! Chavis, Ska, what's up? Tête rousse avec le polo, c'est ferme.